Je pense que c'est hanté ici. Aujourd'hui, on est vendredi et on s'en va faire le Ring of Kerry. Wish us luck. J'ai vu des autres, je suis comme pas conduire vite là qu'on n'est pas habitué. Ça levait tôt, mais c'était pour skipper les boss et on est les seuls au premier point of view. Check ça, il n'y a personne d'autre ici. Mais c'est genre un mini parking là. Fais attention. Incroyable! C'est à contre-jour ici, mais il y a les grosses montagnes. Genre on est comme au pied d'une grosse montagne, puis là on a la vue sur l'eau. Wow, regardez comme c'est pittoresque, notre deuxième arrêt. Et finalement, le fort est là. Oh shit, ça peut être vieux en tabarnouche, mais ils savent pas trop. Checker de l'autre bord. Il y a un genre de petit reste de château, on dirait. C'est ici qu'on entre. C'est bien drôle, les petites roches pour grimper. Toc toc. J'adore qu'il y a de la végétation qui pousse partout, Chiki. J'ai le goût de me ramener une bouture de cette succulente. C'est quand même vraiment impressionnant. Ce dry stone wall. Ah! On peut essouffler, on vient de monter à un deuxième fort qui est en haut. Mais Chiki, la vue, comment c'est beau! Il y a un cheval là. Il y a d'autres succulentes que je peux bouturer, quoi, quoi! Le petit bébé succulente, c'est trop cute pour vrai. Oh, ici, il y a des chambres. 9e ou 10e siècle. Protected farmstead of a wealthy landowner. Très cool. Oh my god! On est à un test de whisky ici. So the three of us will just get it. Yeah, no problem. Yeah, do you want to grab a seat? Okay. Après une autre longue marche, on est dans. Clear the carry. Ça a l'air beau. What? Oh my god! Comme dans les films National Geographic, genre c'est vraiment ça le vibe. On a une dernière grosse côte à monter là. Un petit chien tout seul, qu'est-ce que tu fais là? Ben voyons, il y a un collier. Fait quelqu'un? Oh! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? On va le ramener à l'entrée. Je sais pas qui est ce chien, mais il était dans la montagne, c'est tout seul. C'est la fin de la visite ici. T'as ramené à... Tu nous as fait peur. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Tour guide. Fait que le chien, que genre les 7 Québécois étaient là à se faire du sang d'encre pour lui, ils ont juste fait comme haha, it's our tour guide. Genre ils connaissent ce chien, ils le laissent promener. Ok! Wow, checké, on a trouvé une plage. Et ça sent comme à la Malbaie. Sûrement parce qu'il y a les mêmes choses dans l'eau, c'est-à-dire du kelp ou je sais pas quoi. La première fois, je vois des vrais barnacles. C'est exactement ce que Bill Turner y a dans la face que j'essaie de me faire avec genre une espèce de pâte à modeler là. Comme je disais, c'est un drôle d'endroit pour en mettre un. Genre à côté de la plage, mais un petit peu dur d'accès, on s'entend. D'autres hydrangées, il y en a beaucoup ici. Beaucoup, beaucoup. Checky, c'est le même, même plancher que chez nous, mais chevron sablé. Pas orange avec un vieux vernis comme nous. Ah. On est dans une maison un petit peu comme hier. Puis on a l'histoire ici qu'on peut lire. J'aime ça la bibliothèque cachée un peu dans la porte de main. C'est cool. C'est d'être là, matin, on a fait tout là, ça! On est venu, là, on est jusqu'à là. Là, on est où? Le beach de Rush. On est passé au Waterfield, on est là. On retourne là-bas, mais c'est une heure, genre, fait que c'est... Ça va être du Garden Tour. On commence par la section, c'est quoi? Ben, c'est la fougère que j'avais qui est morte. Ici, toute vie, très bien. Je l'avais, puis elle est morte. Elle est morte, elle est partout ici, partout. Mais on commence par la collection de plantes. Comment il appelle ça? Des plantes tropicales, là, en tout cas. Et on entre après ce petit tunnel-là, ici. Puis on sent ça, c'est full parfumé.
Il y a plein de plantes que j'ai jamais vues de ma vie. C'est quoi cette plante? Je ne connais pas. C'est beau! Bon, fait que lui, il était tellement cool ce gars-là qu'il y avait une chapelle sur son terrain. Et... What the fuck? C'est quoi ça me fait penser? C'est quoi cette calèche? Il y a eu ça quand il est sorti de prison. Fou, hein? Les gigarons, tout. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à Bingo. C'est vraiment un beau nom de ville, je dois dire. Bingo. Ça sonne comme vraiment le fun à dire. C'est parti. On vient de faire un petit arrangement parce qu'il y a une plage. C'est bien beau ici. Un autre paysage est différent. Wow! Brice Denis ici, attends sa vague, attends sa vague! Wow! And I know of sadness, the anxious... L'histoire de notre vie en Irlande. Tout le temps, c'est pas le bonheur où c'est fermé. They just don't bother. Fait que voici Dingle, petite ville portuaire. Avec des cute commerces multicolores comme ça. Puis là, ben, on se promène. Tout simplement. Journée un peu plus calme qu'hier. Ok, on s'est arrêté dans un petit café qui est super bon si jamais vous passez ici. Et c'est le premier matcha que je trouve du voyage. Première place. Je suis bien contente, il est délicieux en plus. Fait que... Cheers! Petite maison préhistorique qui appelle les beehives. Mais ça n'a aucun rapport avec les ruches d'abeilles. On va entrer dans une des pièces où... Fallait que tu trosses ton mode de construction. Imagine dormir là-dedans. Hein? Je sais pas si ça te tombe sur la tête. On a déjà un autre petit point of view ici. Il y en a beaucoup sur notre route. On s'arrête genre aux 2 minutes en moyenne. Oh mon dieu, on dirait que le mur de roche va s'effondrer sur nous. Patrick! Mon petit chili est arrivé! Miam! On est retourné dans le centre-ville de Killarney à pied! On va aller tranquillement trouver un souper parce qu'il y a tellement de monde là, on va jamais trouver sinon. Faut réserver d'avance idéalement même. Checké, c'est le café dans ma tête, il y en a ici aussi! Il a juste changé le nom de la ville! Est-ce que je vais mettre de... Okay, je vais mettre de... Cheers! Cheers! La seule, pas de Guinness. Check it, parce qu'on est rendu, c'est un resto asiatique qui s'appelle Lana. Et il y a tout ça d'options vegan. Yeah. Tellement prévite. Good morning! Aujourd'hui, on quitte ce Airbnb, on s'en va à Cork et on va se promener. On va voir qu'est-ce qui est ouvert, sans joke, là. On va y aller comme ça, voir qu'est-ce qui est ouvert, puis se promener. On va essayer d'aller là. The Jameson Experience. Mais il y a des bus, alors on risque de se faire avoir. On dirait un petit peu l'usine Willy Wonka. Checker ça. On a réussi! On a des billets. Reste combien de budget? 540 euros. 400 000. Nice. Oh, c'est ça qu'ils ont montré dans le film. Des belles plateformes comme les Spice Girls pour faire. 16 stones, which is equivalent to 100 kg. So you can imagine that was quite heavy for the men to be the buildings we passed on our way down. And so it was the stories that worked as if the cross is just like this. Wow, check ça comme c'est beau. Around 5 barrels of whiskey a week. Whereas over in the new distillery, we produce 2,000 a day. Ça sent ici. Oh! Tout ton goût. Sinon, ça goûte le moonshine. Go, team, go! C'est bien hot! Ça sent vraiment. C'est bien léger. C'est bon, ça?
scotch on the nose will be quite smoky when you decide on your right. C'est notre Airbnb, ça. Pour la nuit. Un peu. C'est hilarant. Et puis tout. Oh, mais on va avoir une belle vue. Oh yeah! Ben voyons, c'est donc bien drôle. On a genre une petite terrasse pis tout, quoi! Oh my god! L'autre bord, il est rouge ici, il est tout peinturluré. Voyons donc, on a tout ça, une terrasse, un café, je comprends pas. Où c'est qu'on est? Oh, c'est vrai qu'il y a un spa, Colin! Quelqu'un peut dormir ici. Oh, c'est vraiment tout converti, comme les vannes qui convertissent. Capoté. Hashtag van life. Hashtag double decker bus life. C'est donc ben drôle. Fait que c'est ça, il y en a trois sur le site. Qu'est-ce que vous faites? Oh. Oh. Deux lits. Un sofa. Et un autre lit. Bon, il y en rentre du monde maintenant. Donc ça, c'est la vue au Fort Charles. Qui est apparemment... Le fort le mieux conservé d'Europe. En forme d'étoile. En forme d'étoile. Eh ben! Ah, ça a l'air d'être ça. OK, ben c'est pas une... Ah oh, oui, c'est une étoile. Ah oui. Et du jingle, bonne nuit. Et 10h. Bonne nuit. C'est motorisé, ça? Pas tout, faut qu'on se réveille avec une petite lumière. Moi, j'aime ça, on se réveille avec une petite lumière, OK. Quand ça va manger, ben bruncher, en fait, aujourd'hui, chez Hannah's, conseillé par la madame qui nous a aussi conseillé pour le parking, parce qu'on s'en allait payer. Finalement, c'était gratuit. Puis on est dans quelle ville, là? Moi, je suis pas... Comment? Firmaway. Firmaway, OK. C'est le veggie Irish breakfast, bacon de tofu, des imitations de boudin là, qui fait partie du vrai Irish breakfast et des saucisses végées aussi. On goûte à ça. Merci Anna, c'était bien bon. C'était mes meilleures saucisses végées in a long time, je dois dire. Là, on s'en va voir des ruines de château. On est arrivé au château qui est ma foi majestueux. Puis il y a full de monde, on est étonné pour un lundi matin. 1100 quelques, ce château. My God! Oh, c'est immense! Je capote ma vie en ce moment. On dirait tellement un film. Ça dit tout ce qu'on est. Oh, ça dit les parties. OK. C'est ça, il y a une partie qui avait la plus récente. C'est déjà tout. Bel château, c'était magnifique. Je mets dans mon top 5, top 10, top 5 du voyage. Yeah. J'ai pas demandé comment ça s'appelait ces jardins-là, mais là, on s'en va visiter un jardin qui est à côté des écuries, qui était sur notre route faire du blanc. Parce que oui, après ça, il nous reste juste... deux journées, ben genre aujourd'hui, demain je pense, puis après ça c'est l'avion. Fait que demain journée complète à Dublin, mais juste les gars, on va perdre les filles qui vont continuer de leur bord. Ah ben ça s'appelle les Irish National Stud and Gardens, tout simplement. Checkez comment c'est beau, mon arbre bref avec un C. Là on rentre dans le jardin japonais. Des belles roses ici, des gigas bambou. Wow! Oh! Un vrai jardin japonais avec des pas japonais. Un vieux jardin de 1900. C'est très fairy. Oh. Oh les chevaux. On est dans les écuries. Et là. Oh. Allô, t'es beau. Robin! Comment il jump? Oh! Il court cute au bout! Oh my god, il a tellement pas peur, c'est sûr qu'il y a du monde qui le nourrit ici. Oh! Oh, il est heureux, mon dieu! Hello! Ça aussi, où son Arbornet est à bon. Oh my god! Robin! On l'appelle Robin parce que c'est ça son nom. Oh, il est trop cute! Non, je pense pas. Arrivé à Dublin. On va aller voir le Trinity College parce que apparemment la bibliothèque est folle pis très Harry Potter style. J'ai hâte de voir ça.
on est dans les State Apartments. Très bel escalier qui nous y mène ici. Wow, c'est chic ce couloir. C'est les présidents d'Irlande. En 1888, ça va la tête dure. Des tableaux qu'il y a une tête servie sur un plateau d'argent. Sauf là, elle en met ça comme si c'était un potluck, genre. C'était un petit peu louche. Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Ça, c'est le tableau le plus louche qu'on a vu à date, là. Le gazon est tellement beau en Irlande, je suis un peu jalouse, je vous avoue. Bref, que chez nous, on se force beaucoup, genre, pour en avoir du beau, là. Je parle chez nous en Amérique, là. C'est pas inné, comme ici. Oh wow, est-ce que c'est ici que Albus fait ses speeches par hasard? Bon ouais, c'était la cathédrale de Saint-Patrick. On s'en va faire ça! C'est comme le truc qu'on a fait l'autre fois, on fait une visite explicative, après ça il y a une dégustation! On s'en va voir comment ils font! On se retrouve dans ma petite prep du matin, je sors de la douche. Et comme vous pouvez constater, je suis de retour à la maison. Je vais juste prendre une petite pastille, si jamais ça dérange pas ma voix là, pour vous, parce que je commence à avoir vraiment mal à la gorge. J'espère que c'est pas genre la COVID ou quoi que ce soit, mais à la fin du voyage, à quelques reprises, certaines personnes du groupe, on était comme « Ouh, on a-tu un petit quelque chose? » On se sentait des fois un peu... comme enrhumé là à la fin, mais sinon je pense que tout est bon. Fait que c'est ça que je me prépare, je vais aller voir Hugo pour mes cheveux, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. Puis ben je vais vous faire ma petite conclusion, mon petit résumé dans le fond de mon voyage, un peu mon, tu sais, mes affaires à voir, les top 3, des affaires de même. Juste en petite conclusion, comme ça si jamais vous y allez ou si je vous ai donné l'envie d'y aller aussi, dites-moi là dans les commentaires. Mais ouais, en gros c'était vraiment un beau voyage. J'ai pas trouvé que ça passait trop vite sur le coup, tu sais, j'étais partie 10 jours au total, mais 8 jours sur place. Mais non, moi ça confirme que ma durée de voyage idéale pour moi c'est vraiment une semaine. Genre un 7 jours complet à décrocher pour moi c'est parfait. Tu sais, mon chum était parti plus longtemps, puis justement il s'est dit lui aussi peut-être que next time il raccourcirait un petit peu. C'est sûr que nous on était un groupe de 5 aussi, là, je sais pas tout seul ou en couple, tu sais, versus à 5 comment ça se passe. Disons qu'on était très serré dans l'auto, pensez-y si vous le louer une auto là-bas comme nous, puis que vous êtes autant, parce qu'on dirait que les autos sont fait vraiment moins larges là-bas, puis la valise était tellement minuscule qu'avec 5 valises, il fallait que j'en aille tout le temps une sur moi à chaque fois qu'on changeait de Airbnb, ce qui était assez fréquent, comme vous avez vu. On restait jamais plus longtemps que 3 nuits à une place. Mais c'est ce qui nous a permis aussi de voir bien des affaires, fait que c'est ça qui est le fun. J'ai l'impression qu'on a été méga productifs. C'était pas des vacances comme reposantes, mais ça a été des vacances enrichissantes en termes de découvertes, découvertures, la culture, découverture, ben c'est ça, le pays en général, que je savais pas trop à quoi m'attendre, comme je vous ai dit, parce que moi j'étais pas préparée. Découverte sur soi aussi, genre ça fait 2 ans que j'avais pas voyagé comme tel, j'avais oublié à quel point les voyages c'est, tu sais, des fois ça passe sous sa cause, ça peut être très formateur des fois au niveau comme personnel de se redécouvrir, puis moi c'est ce qui s'est passé aussi entre autres dans ce voyage là. Maintenant pour ce qui est du top 3, qu'est-ce que vous devriez faire absolument selon moi si vous allez en Irlande, parce que nous on n'a pas visité l'Irlande du Nord mais plus le sud puis l'ouest, toute la partie sud-ouest. On dirait, je dis on parce qu'on avait comme pas mal toutes les mêmes comptes rendus dans le fond, j'avais demandé au reste de la gang et absolument tout le monde était d'accord là-dessus. Le Ring of Kerry, ça a été je pense notre plus belle journée, c'était une grosse journée genre bien chargée, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a plein de choses à faire sur le chemin, c'est des paysages à couper le souffle par-dessus paysages à couper le souffle, genre tout était beau et le fun dans cette journée.
là, puis comme les cliffs où ce qu'on a vu là, où ce qu'il y avait le petit chien qui était à l'autre bord, qui finalement, bon, les gens s'en foutaient. J'ai tellement aimé, pour vrai, j'aurais passé plus de temps là, on dirait que j'aurais voulu faire un pique-nique là, tu sais, avec du recul, c'est ça, notre journée, elle était tellement vite, tellement comme chargée de plein de belles émotions et tout ça, tu sais, moi j'étais vraiment émue en voyant ces cliffs là. Puis les cliffs de Moher aussi, tu sais, sont super connus puis tout, c'était vraiment le fun à voir, tu sais, c'était la première genre chose grandiose que je voyais de mon voyage, mais en même temps, si vous les faites pas puis vous faites juste le Ring of Kerry, je pense que, en tout cas, pour moi, c'est équivalent, ils sont juste plus différentes un peu les falaises à cet endroit-là, puis il y a moins de monde, fait que 100% moi je préfère ces cliffs là à celles de Moher finalement, même si c'était le fun de voir quand même où ce qu'ils ont filmé Harry Potter, tu sais. Bon, là je me fais une deuxième petite couche de cachette parce que quand même un petit peu jet lag aujourd'hui, je retombe vite dans mon beat de vie, mais sinon qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, ben dans les attractions payantes si on veut, méga coup de cœur les autres aussi, le Muckross House qui s'appelle, incluant les jardins derrière, je veux dire c'est juste tellement une belle propriété incroyable, la vue avec le lac, je capotais encore là, j'étais très émue quand j'ai vu ça. Chaque pièce de la maison qu'on visite est super belle, super bien conservée aussi. Fait que dans tout ce qu'on a fait dans le même genre, ça serait vraiment moi, Muckross House, ma préférée. Sinon, on a trouvé vraiment cute les petites villes comme, tu sais, Dingle, puis toutes les autres qu'on a fait là. Le Ring of Dingle, on l'avait fait genre le lendemain. Je le conseille légèrement moins que le Ring of Kerry qui est plus gros puis plus impressionnant. Mais le problème avec toutes les petites villes, villages, côtiers comme ça qu'on a fait, c'est que il manquait autant de places de parking qu'on est même pas dans la haute saison. Fait que c'est comme, c'est des petits endroits vraiment charmants, avec la bonne bouffe. Si vous aimez, tu sais, des fruits de mer, des affaires de même, vous allez être servi. Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Fait que ce serait la seule affaire. Sinon, j'ai bien aimé Killarney. Je pense qu'il y a Kilkenny que j'ai pas fait, mais j'ai fait Killarney. Les gars ont fait Kilkenny, ils ont beaucoup aimé, mais Killarney, on a eu bien du fun là-bas. Il y avait beaucoup de choix de resto. Ça avait un peu ambiance comme ici au Vieux-Port. Puis ça, on marchait du Airbnb, fait qu'on avait pas de problème de parking. Ouais, fait que ça, j'en garde des beaux souvenirs aussi. Je vais continuer de me préparer un petit peu plus vite parce que je suis quand même pressée, puis je vous reviens après ça pour la suite de mes recommandations. Mais ça serait, mettons, mon top 3 de trucs à faire que je pense qu'il peut plaire à tout le monde. Mais c'est ça, je vais juste avancer ma face un peu, puis je vous dirai d'autres petites fun facts sur l'Irlande, d'autres petites infos si jamais vous partez là en voyage. Puis si vous avez des questions, laissez-les en bas parce que maintenant que je l'ai vécu, je vais pouvoir vous conseiller. Je m'ennuie de ce mascara-là. J'avais juste le télescopique tout le long du voyage. Je l'aime, mais comme je suis contente de revenir avec une plus grande sélection de produits, disons. Fait que bref, je vais terminer en disant, c'est ça, quelques autres petites infos. Premièrement, un point plus négatif. Il y a bien des affaires que, mettons, Amélie ou Kevin avaient notées sur leur liste qui n'étaient pas disponibles finalement. Je sais pas si c'est le COVID ou quoi que ce soit, mais comme par exemple des micro-brasseries, des distilleries à visiter, des affaires de même, il y en avait pas mal sur la liste, puis au final, à chaque fois qu'on se pointait là, quand c'était pas à Dublin, donc en campagne, tu sais, qu'on a visité pas mal, c'était fermé. Tout était fermé, les heures d'ouverture correspondaient pas du tout là, sur Google Maps, fait qu'on était toujours bien surpris de faire des endroits qui étaient, oui, souvent certes sur notre chemin, mais qui au final, on se pointe, puis genre, il y a pas un chat, ou la personne est là, mais elle est comme, ah, oh, on n'est pas ouvert aujourd'hui. Genre, puis elle s'en fout, on dirait, fait qu'on n'est pas vraiment habitué à ça ici, je dirais. Et puis sinon, un point positif maintenant, on a trouvé la bouffe vraiment abordable. Mais de mémoire, quand j'allais en France aussi, je me disais ça par rapport à l'épicerie, je trouve que c'est vraiment moins cher, même si on fait la conversion, tu sais, en euros. Il y avait des options végé, vegan aussi, pas mal partout. Puis les restos aussi, la moyenne qu'on a faite, là, c'était comme 15 euros à peu près maximum le plat. Puis c'était des bonnes assiettes, fait qu'on avait jamais faim après ça. Fait que ouais, en général, je dirais que la bouffe, tu sais, l'ambiance avec les pubs, souvent il y a des musiciens live ou, tu sais, des gens qui font les danses irlandaises, fait que c'est vraiment le fun. On a trouvé les Irlandais vraiment gentils puis accueillants, mais je vous avoue, moi, j'ai moins eu la chance que Pat et Kev de parler avec eux, là, comme tel. Genre, j'ai pas eu grand discussion, on va dire, à part avec des serveurs, serveuses de restaurants. Fait que, c'est ça, j'ai pas trop connu les Irlandais dans ce voyage, je vous dirais. Mais overall, ouais, ça s'est super bien passé. La route aussi, Pat était un champion, là, de conduire manuel à l'envers, puis avec tous les changements que ça impliquait, là, les petites routes aussi, c'était fou, là. Les deux rings qu'on a fait, genre, le mercredi puis jeudi, je pense, c'est tellement petit, là, c'est, des fois c'est du une auto à la fois, puis faut que tu laisses passer l'autre ou l'autre te laisse passer, c'est vraiment particulier, je pense, pour nous au Québec, qu'on n'est pas habitué avec des routes de même. C'est pas mal ça que je voulais vous dire, fait que vous me direz si vous êtes déjà allé en Irlande dans les commentaires. Vous voyez, je finis quand même avec le télescopique, je suis rendue habituée à lui depuis une semaine. Non, c'est ce qui fait vraiment une bonne job par-dessus un mascara volume aussi pour juste comme
définir les cils. Check ça la longueur que ça donne. Bref, j'arrête mes folies, je finis de me préparer, mais j'espère que vous aurez aimé ces vlogs. Ça faisait genre 2 ans qu'il n'y avait pas eu de vlog voyage sur ma chaîne de vlogs à proprement parler, fait que j'espère que vous avez apprécié. Ça fait changement, ça fait du bien. Je vous encourage à visiter l'Irlande si vous aimez les paysages complètement fous, la nature, faire des hikes, il y a beaucoup de pentes, beaucoup de choses à marcher, fait qu'il faut être comme un minimum, je pense, prêt physiquement, mais ouais, c'est vraiment un magnifique pays, là, gros coup de cœur, fait que voilà. Bonne journée tout le monde, je vous fais des bisous, et je vous redis à je sais pas quand, ben je vais peut-être couper mes vlogs Irlande en deux, en fait, fait que sûrement à très bientôt. Bye bye!